Regardez-moi ça, les amis. Notre chat a dû se faire opérer. Bon, on vous expliquera peut-être ça dans une prochaine vidéo. Enfin bref, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ultra importante. Enfin, surtout pour ceux qui vivent dans des grandes maisons. Vous allez peut-être comprendre quelque chose d'assez important. Parce que là, ce qui est en train de se passer chez nous depuis quelques jours, c'est vraiment terrifiant, franchement. On pensait jamais que ça allait arriver chez nous. Donc surtout, regardez bien parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler et j'ai l'impression que ça peut arriver à plein de gens. Qu'est-ce qu'il y a? Bah t'as vu là ce qui vient de se passer? Bah oui, mais c'est pour ça que je démarre une vidéo. C'est pour expliquer aux abonnés là ce qui est en train de se passer chez nous. Bon, on vous en a pas parlé, on va pas tourner autour du pot, on va vous expliquer. En gros, on pense qu'il y a un inconnu, enfin c'est même pas on pense, c'est on a vu un inconnu vivre chez nous pendant qu'on est dans la maison. Et j'en avais déjà entendu parler sur internet pendant, bah ça fait plusieurs années que je vois des vidéos sur ça, mais à chaque fois j'y croyais pas, je me disais non, c'est pas possible que ça soit vrai, c'est des pranks, c'est des gens qui font des blagues, tout ça. Mais c'est bien réel. Bon, vous savez, on habite dans une maison qui est assez grande, il y a des pièces absolument partout, il y a un étage, il y a un sous-sol, enfin bref. Des gens peuvent se cacher dans notre maison sans qu'on le voie. En gros, c'est ça le plus important. Et hier, on était choqués parce qu'on a fait un cache-cache. Bon, du coup, le cache-cache ne sortira même pas sur YouTube. Parce que Valentin, quand il a. Ben voilà, pour ceux qui savent pas, c'est notre cousin. On a décidé de faire un cache-cache avec toute la famille. Et là, Valentin, il a commencé à chercher ici. C'est Vas-y, ça. explique ce que t'as vu Bah là-bas dans le écoute, coin. je m'étais caché à peu près, bah je crois que c'était par là. Ouais, t'as voulu te cacher. Alors, il me semble. Attends, on va montrer aux abonnés. Regardez, il a voulu se cacher derrière les planches. Ouais. En vrai, c'était plutôt une bonne cachette. C'était à peu près ici, oui. Ouais, parce qu'on va jamais dans cette partie de la maison. Enfin, c'est comme la cave, tout ça. Il y a la sorcière qui habite ici. On s'en sert pour des décors de vidéos. Enfin, là-bas, il y a la salle de classe et tout. Mais on vient jamais. Et en gros, vas-y, explique ce que t'as trouvé derrière la planche. J'étais comme ça et là j'ai vu comme des chaussures en fait. Ouais, en fait, il a vu. Alors, après, sur le moment, il a vu des chaussures. Puis ensuite, on est revenu dans ce coin-là pour vérifier ce qu'il nous a dit. Parce qu'on a dû arrêter le cache-cache tellement il a eu peur. Et on a trouvé un sac à dos avec des affaires, avec de la nourriture. Et aussi, on a trouvé. Alors, je sais pas si on peut vous le montrer. Je sais pas si on le voit bien à la caméra comme ça, mais en gros quand on a cherché un petit peu dans ce coin-là, on a poussé ce meuble et comme par hasard derrière ce meuble, on a trouvé une sorte de tunnel. Mais quand je vous dis un tunnel, c'est pas un petit tunnel de souris, c'était vraiment un tunnel où on peut passer si on est allongé quoi. Enfin, il faut s'accroupir, il faut vraiment se faufiler, mais en gros un homme peut passer et le tunnel. Il remonte vers le haut et vers le haut, bah forcément c'est notre séjour, c'est le salon, etc. Donc ça veut dire, en gros, que bah quelqu'un potentiellement vit chez nous quoi. Bah c'est ça et bah ça me fait un peu peur quoi. T'imagines on dort et puis il y a quelqu'un là, il peut Bah toi, à rentrer. la rigueur ça va parce que t'es pas tout le temps ici, mais tu viens pour faire des vidéos pour nous rendre visite et tout. Mais Lily Rose, quand elle a vu ça, tout de suite, elle a fouillé toute sa chambre. Elle a fermé à clé sa chambre. Enfin, elle a dit ouais, il faut que personne rentre. Maintenant, si vous voulez rentrer, vous me prévenez à l'avance. Et bah, je la comprends. On a fouillé toute la maison. On n'a pas trouvé spécialement d'autres tunnels, sauf à quelques endroits. Comme par hasard, derrière ce meuble, il y avait comme du papier qui cachait quelque chose. Il y avait plein de papier journal qui cachait un gros trou. Et ça, on l'avait pas vu en arrivant ici. Et en fait, c'est des meubles qui étaient déjà là quand on est arrivé ici. Si vous regardez le housetour, quand on est arrivé dans cette maison, bah, ces meubles, ils étaient déjà là. C'est pour ça qu'on les avait pas repérés. Et en fait, les tunnels, ils peuvent passer absolument partout. Parce que s'il y en a un au sous-sol, ça veut dire qu'ils remontent vers le haut et bah, que potentiellement, il y a des endroits où on peut passer qui sont inconnus et on ne sait même pas quoi. Du coup, là, on va déplacer tous les meubles. Et au moment où j'ai démarré cette vidéo, parce que je me suis dit, il faut que je leur en parle, on a commencé à entendre des bruits qui venaient des murs. Et parfois, ça vient vraiment de là. Par exemple, là, on entend un bruit, on entend comme quelqu'un grimper. Puis ça va sur le toit et ensuite ça. Ah! Ah, C'est quoi ça? C'est quoi ça? c'était T'as le vu? même c'était le même vraiment T'as vu, il y a quand j'étais quelqu'un? caché. Mais oui, j'ai vu. Attends, bouge, bouge, Viens, bouge. attends attends Non, mais il y a quelqu'un. On ferme la porte déjà, faut pas que Bon, écoutez, c'est les ça. amis, j'ai voulu prendre un. Oh là 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 là, vite dans la chambre de Lily Rose.
Parce que la chambre de Lyra, c'est la seule pièce qu'on a fouillée entièrement. En gros... Oh, j'y crois pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu prendre un exemple. Je me suis dit, bah, imaginez, il passe dans ce mur. Et là, comme par hasard, il était là. Oui, mais en plus, j'avais entendu comme un bruit, comme quand tu dis, il y a quelqu'un qui grimpe. Ah oui, non, c'est non, exactement mais... ça. Et en plus, on sait qu'à côté de bah, cette pièce, la pièce qu'on a ouverte, là, c'est la cachette gaming. Avant, c'était la cachette gaming, mais bon, on a dû tout enlever. Il y a eu une inondation. Et à côté de cette cachette gaming, il y a une pièce secrète qu'on n'a jamais réussi à ouvrir. Ça, on vous en a jamais parlé en vidéo, pareil. Mais c'est, bah, ça fait assez peur, quoi, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans cette cachette. Mais ça tombe, il y habite. Mais ça doit être ça. Attends. Ça tombe, cette pièce où on peut pas rentrer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est le chat. Ah, c'est le chat. Vas-y, par contre, il faut... Regardez, ce chat-là aussi, il s'est fait opérer. Il a un pansement. Regarde, montre ton pansement. Je montre ton pansement aux abonnés. Non, il veut pas. Allez. Il veut pas montrer son pansement. Bon, bon, c'est pas grave. On vous fera une vidéo sur les chats qui se sont fait opérer. Ils sont allés chez le vétérinaire, ils ont dû être endormis. Enfin, bref. Attendez. Moi, il faut que je sache qui se cache chez nous comme ça. Vous êtes là? Eh oh! Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi qui vous demande qu'est-ce que vous faites là. Non mais c'est vous, qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi tranquille. Ah mais c'est quoi ça? Montrez. Et pourquoi vous avez des affaires de Lyros dans les mains? C'est mes affaires. Comment ça c'est vos affaires? Ouais. Mais c'est les baskets que j'avais vues là dans le sous-sol. Ah non 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 mais c'est ça, c'est des affaires de Lyros. Laissez-moi tranquille. Ah mais j'en étais sûr. Ouais, regardez les amis. Il est en train de casser le mur qui est là. Parce que derrière, il y a une pièce secrète. Oui, non, et alors? Ouais, bah, et alors, on sait ce que vous faites, attendez. Ah non, attendez. Ouais, on va pas vous laisser. Non, non, on va non, appeler la police. On va appeler la police parce que c'en est trop. Allez, laissez-moi tranquille. Venez, sortez de votre cachette. On est là depuis... ça fait combien de temps qu'on habite ici? Ça doit faire 10 mois environ, ça fait même pas un an qu'on habite là. Et on se disait bien qu'il se passait des choses bizarres, des objets qui disparaissent. Comme par hasard, des objets qui disparaissent. Tout m'appartient. Ouais, non, y a rien qui vous appartient. Allez, venez, venez ici. Oh, le petit chat. Ah non, allez, venez ici, on va vous dénoncer. Allez. Mais comment ça, vous allez me dénoncer? Mais on sait ce que vous faites, on a découvert vos tunnels. On a découvert déjà deux tunnels. Comment ça, vous... Et maintenant, on sait que vous habitez dans la pièce secrète. Ah, vous m'avez eu. Mais de toute façon, il y a d'autres tunnels ici. Ouais, il y a d'autres tunnels, mais bon. Je ne sais pas. Quand vous irez en prison, vous verrez s'il y a des tunnels. Moi, je connais tous les Allez. Tunnels. C'est parti, les amis. On va pas trop faire de bruit. On va pas trop l'énerver. Et on va l'amener directement chez la police. De toute façon, hier, on a pris des photos des deux tunnels qu'on a trouvés là, dans la cave et derrière ce meuble-là. Et je pense qu'on va appeler des experts pour leur montrer tout ça et pour qu'ils trouvent tous les autres tunnels qui sont dans la maison. Peut-être que nous, on fera même une vidéo où on ira dans les tunnels de la maison. Bon, il est où? Bah, il est en haut encore, mais j'ai appelé la police, ils arrivent bientôt normalement. Ouais, mais non, mais il faut pas le laisser tout seul. Ça tombe, il va rentrer dans un tunnel. Bah, aide-moi alors. On les connaît pas tous, on connaît pas tous les tunnels. Bon, les amis, en plus, je suis malade en ce moment. C'est compliqué de vous parler pendant longtemps. Oh non! Il est où? Il est où? Oh non, il est... Mais il a dû s'échapper. Bah, c'est sûr. Il a dû rentrer... Attends. Il a dû rentrer dans un autre tunnel. Il est par là. Mais non, mais il est pas par là. J'ai déjà regardé. Bon, je vais aller voir au sous-sol. Peut-être qu'il est passé par un autre tunnel. Je m'en doutais qu'on allait pas la voir aussi facilement. Une minute d'inattention, on regarde pas où il est pendant une minute, et il se faufile dans un des tunnels. Bon, écoutez, je vais essayer d'aller voir par là. Peut-être qu'il est repassé ici. Bon, si t'es repassé ici, montre-toi. Eh oh! Tu penses qu'il y a un tunnel dans la boutique? Bah non, mais je sais pas où est-ce qu'il y a un tunnel, il doit y en avoir partout. Dans chaque pièce, ouais. Il doit y en avoir partout, et à chaque fois, les tunnels, ils doivent mener vers la pièce secrète, là. Allez, à l'étage. Mais bon, on peut pas rentrer dans cette pièce. Là, ah, il est là. Qu'est-ce que tu fais, là? Oh là là, non. Reviens ici. Reviens ici. Hé. Laissez-moi. Non. Mais, laisse-moi. Oh, il est parti. On va faire encore... Bah, je sais pas. Ça tombe, il y a un tunnel. Il doit y avoir un tunnel dans cette pièce-là aussi. C'est bon. Bah, il est où?
Il est où? Il a disparu. C'est pas possible. Où est-ce qu'il a pu passer? Ah, là, je vois. Il doit avoir un tunnel derrière ce meuble. Il doit bouger un mur pour passer derrière. Ouais. Bon, ok. Attends, il est même pas derrière la porte. Oh non, mais il est vraiment nulle part. Bon, les amis, là franchement, j'ai pas de solution. On va appeler des experts des tunnels pour essayer de trouver tous les passages où il peut, bah, où il peut passer là pour rejoindre sa cachette. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ont des grandes maisons... Ah, c'est clair, ah, je mourrai pas. Allez, bouge. Allez, laissez-moi. Pour ceux qui ont des grandes maisons, vous inquiétez pas, il y a quasiment que chez nous que ça peut arriver, ce genre de truc. En attendant, vous pouvez aller voir une autre vidéo en cliquant sur une vidéo qui apparaît ici, ou aller acheter l'album de Lily Rose en cliquant sur notre site. À la prochaine, ciao.